Bon, soyons clairs, je pense profondément que l'année cinéma 2021 a mis beaucoup de temps à démarrer. Et même si elle a fini par démarrer au sein des salles, notamment lorsque la réouverture s'est faite le 19 mai, j'ai jamais eu la sensation qu'elle a réussi à parfaitement prendre son élan. Si pour moi elle a eu la chance de commencer un peu avant, par une plongée dans la VOD qui fut particulièrement riche et fun à voir, il est également sûr et certain que pour beaucoup d'entre vous, elle a réellement commencé dans le courant du mois de mai, lorsque les salles de cinéma ont pu rouvrir leurs portes et que l'on a pu à nouveau voir des œuvres sur grand écran. Et pour le coup, si elle a plutôt bien commencé par des sorties assez attendues, notamment des films récompensés aux Oscars et des œuvres d'action que l'on attendait tous, j'ai eu l'impression qu'elle s'est vite essoufflée. Et qu'elle n'a jamais pleinement pris son envol, comme si la sauce n'avait pas assez prise pour pousser à la fois les gens à retourner dans les salles obscures, mais également comme si les distributeurs n'avaient pas eu envie de prendre leur pied en voulant surprendre ses spectateurs dans les salles, et en un sens, je trouve cela bien dommage. Bien dommage, oui, et pas forcément. Parce que heureusement, au milieu de tout ça, y a eu de la place pour beaucoup de belles choses. Car si l'on n'a pas eu de véritable film populaire qui a totalement passionné les foules, hormis en fin d'année de manière un peu injustifiée je trouve, la place fut belle pour des œuvres qui ont su se faire une bonne position dans nos salles obscures, allant d'un petit thriller iranien passionnant de nombreux cinéphiles à un film indépendant américain réalisé par une chinoise qui a su tout de même rester sur les écrans un bon moment grâce à ses Oscars. Deux images différentes d'un cinéma qui pour moi a su faire avancer pas mal de choses et ainsi en un sens a su pousser les spectateurs à être curieux dans une période où clairement cela semblait compliqué. Mais heureusement, ces modèles représentent à mes yeux ce qu'il y a de plus audacieux dans une année cinéma qui a voulu trop souvent se reposer sur des acquis de facilité ou sur des instants de 7e art pas forcément aussi passionnants que prévu. Mais je reste tout de même sur ma première impression de ce début d'année. La VOD, encore une fois, s'est totalement imposée. Comme l'année dernière, elle a su se montrer comme étant non plus simplement un marché où l'on trouve du lard et du gras, mais bien un endroit où tout un pan du cinéma, américain, chinois, sud-américain, africain, oriental, bref, où le reste du monde pouvait se placer lorsqu'il n'avait pas l'opportunité de voyager dans nos salles obscures. Et cette année, ces films ont eu leur place, à la même place que des blockbusters qui ont dû eux-mêmes sortir ainsi. Clairement, si l'on doit retenir une bonne chose de cette année, c'est que même si ce marché doit encore réussir à parfaitement conquérir la majorité des spectateurs, cela reste une prouesse d'avoir su démontrer que ce n'était plus, comme à une époque, un marché de seconde zone, mais bien un lieu sacré où des fragments perdus de prouesses cinématographiques parfois extrêmement audacieuses pouvaient voir le jour et nous en mettre plein les yeux, même si c'est uniquement sur un écran de salon et pas dans une salle obscure. C'est sur cette note que j'avais envie de commencer cette semaine de top. Parce que, comme le disait si bien une jadis émission sur un grand site de cinéma qui maintenant n'existe plus, le cinéma, ce n'est pas qu'au cinéma. Et plus que jamais, le cinéma, ce n'est plus que dans les salles obscures, pour le meilleur et pour le pire, encore heureux d'ailleurs.